Propriétaire des meubles locatifs, attention, nous entrons présentement dans une zone dangereuse, saison de la fraude pour les propriétaires des meubles à logement. Je m'explique. Les propriétaires des meubles sont actuellement sous pression. Les locataires le savent. Donc, on est à la fin du mois de juin. On a des logements à louer. On a le goût de les louer parce qu'évidemment, on veut avoir les revenus qui viennent avec les loyers. Les locataires en profitent et vont vous demander de leur signer un bail sans faire l'enquête de vérification complète recommandée par l'APQ. On se souvient que l'APQ vous recommande une évaluation 360 degrés où on vérifie une foule de détails qui sont tous importants pour vous assurer que vous avez un bon locataire dans votre immeuble. Donc, une foule de détails, je m'explique. Dossier civil, dossier criminel, dossier à la régie du logement, dossier d'employeur, donc on vérifie s'il s'agit d'un bon employé. On vérifie également auprès des deux anciens propriétaires si c'est un locataire qui se comportait de façon adéquate dans son logement. Évidemment, c'est beaucoup plus long que de cliquer sur un simple bouton. Il faut prendre le temps d'appeler des gens, de recevoir leurs appels. Et les locataires le savent. Donc, ils vont profiter de saisons comme ça où on est pressé. Il y a des congés fériés. Donc, les bureaux qui nous permettent de faire ces consultations-là sont fermés en partie. Et donc, ils vont tenter d'abuser de la situation. Pas tout le monde, évidemment, mais plusieurs. Je vous dirais qu'un locataire pressé à ce moment-ci, ça devrait vous allumer une lumière jaune foncée. Faites attention, on a plusieurs obligations à respecter comme propriétaire des meubles locatifs. Et si on met un mauvais locataire dans notre immeuble qui dérange les autres, on aura beaucoup plus de problèmes. Donc, attention à vous, n'hésitez pas à nous appeler pour tous les détails. Je vous rappelle que nous sommes ouverts de 8h30 le matin à minuit du lundi au vendredi et de 9h à 5h les week-ends. Merci.